Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série, la série numéro 2, d'exercice de microprocesseur MU8086. On est arrivé à l'exercice numéro 6. Écrire un programme permettant de mettre le contenu de AX et BX 8 fois dans la pile. Les valeurs initiales de AX et BX sont 0,4 et 0,7. Alors ici, il s'agit de faire une boucle qui répète le programme 8 fois. Pour ce faire, soit faut utiliser l'instruction loop qui fait tourner un programme le nombre de fois affecté au registre CX, c'est le compteur CX, ou bien il suffit d'utiliser la procédure classique de faire une boucle, c'est d'affecter le nombre voulu que ce programme se répète dans un registre et effectuer des tests sur le zéro à chaque fois que le programme s'exécute en décrémentant la valeur du registre, ou bien faire le contraire, c'est incrémenter et tester sur la valeur voulue. On commence notre programme, l'exercice 6. Alors, ils sont initiés à 0,4 et 0,7, les deux registres. Move AX 0,4 et move BX 0,7. Alors ici, on doit bien mettre notre étiquette. Voilà, on l'appelle X6 par exemple. Et juste après, on va écrire notre programme voulu, c'est d'empiler les valeurs de AX et PX dans la pile. C'est push AX, et après c'est push BX. Voilà. Comme ça, on va charger les valeurs de AX et BX dans la pile. Et juste après, on peut faire notre... Ah bon, j'ai oublié de faire la chose la plus importante, c'est d'affecter le nombre de qu'on veut que ce programme se répète, le nombre d'itérations dans le compteur CX. Alors on veut que ça se répète 8 fois. Et voilà. Loop ici, X6. Bon, j'ai oublié autre chose. Alors, vous pouvez deviner ce que j'ai oublié ici avant de continuer. Alors, j'ai oublié les deux points ici de l'étiquette pour marquer le début de la boucle. Et voilà, ici ça va se répéter 8 fois. Alors on fait le test et on voit sur la pile ici les valeurs de AX et BX qui vont être stockés 8 fois. On fait le test total. Alors ça n'a pas arrêté. Je sais pas pourquoi, mais je vais vérifier.
Bon, ça a été un problème d'emplacement du programme. Bon, on continue la simulation. Alors, on l'exécute. On exécute totalement le programme. Voilà. Et on va voir la pile. Là où le résultat doit être affiché 8 fois comme on a vient de faire. Alors c'est voilà la pile. Alors 04 05 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Si 16 alors 8 fois pour chaque registre, voilà, on a répondu à l'énoncé. Alors, on passe à l'exercice 7. C'est écrire en assembleur le programme suivant. For i égale à 1 et inférieur à 10 et plus plus. Alors ici, le compteur doit commencer de 1 jusqu'à 10. Alors ça fait 9 fois parce que c'est inférieur strictement à 10. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième itération, ça va pas être faite. Elle va sortir du programme. Alors c'est à faire l'instruction ici, px égale à px plus 0,6, avec px étant initié à 0,2. Alors on fait notre programme. D'abord on initialise bx à 0,2 bien sûr. Alors on procède par la méthode classique, c'est d'affecter le nombre 1 dans un registre quelconque, par exemple AX. Et 0, 1, parce qu'on va commencer de 1, puis on va faire notre programme qui est de additionner le contenu de AX, c'est add AX avec la valeur 0,6, et voilà, on teste, on incrémente notre registre AX qui était à 1 au début, puis on le compare avec la valeur 9, c'est ça ce que nous voulons atteindre, c'est 9 et non pas 10, alors c'est 9. On va faire le test sauter si égal. Alors elle va sauter à la fin. Sinon, va sauter à refaire le programme. Alors c'est à l'étiquette X6 qu'on va faire ici, juste au-dessus des initiations. Voilà. On a oublié de faire le AND. Enfin, c'est le AND. Et on va tester notre programme. Étape par étape. 0,2 dans BX. Là, vous voyez ici les affectations. 0,1 dans AX. Alors, on va faire l'addition de 0,6 avec le contenu du 0, de BX qui est 0,2. On va obtenir 0,8 dans PX, on incrémente AX, on le compare avec 9, alors on ne va pas trouver que
c'est égal à 9. Elle va sauter, refaire le programme. Et 6, alors c'est fait la première fois. Voilà la deuxième fois. La deuxième fois, voilà la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Et continuer à refaire la même chose. La huitième. Alors, elle l'a fait 8 fois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il l'a fait 8 fois ou. Ah. Alors, ici, peut-être que lorsque ça arrive à 9, elle le compare à 9 et il sort directement sans exécuter les instructions la 9e fois. Là ici, on doit changer le 9 par le 10 qui est le 0A parce que le placement des instructions ici fait que la neuvième fois ne soit pas exécutée ici. Donc, pour les instructions de add et inc, ne sont pas exécutées la 9e fois. Pour résoudre cela, il faut avancer d'un pas qui est le 0A. On va faire 10 ici pour que la 9e fois soit exécutée sur ces deux instructions. Alors on lance encore. Voilà la première fois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Et voilà. Ça fait 9 fois que instruction bx égale à bx plus 0,6 est exécutée. Le résultat final c'est 38 en exact. Alors normalement le résultat qu'on doit obtenir c'est la valeur initiale de bx qui est 0,2 plus 9 fois la valeur 6. Ça fait 56 au total. Oui, 54 plus 2 c'est 56. Alors, on vient ici à ce convertisseur. On peut écrire 0, 56 ici. Et ça donne en exact 38. Et voilà. C'est ce que. Le volant de l'exercice. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.